Eh bien salut tout le monde, c'est The Snake et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série que je vais lancer avec mon ami Despire Bushido TV. Bonjour. Donc c'est Survie en Terre Inconnue, hein, comme vous le connaissez, hein. J'avais fait une série de un épisode qui avait duré vraiment que un épisode parce que tout simplement j'étais mort comme une merde sur un Enderman et comme un con je suis retourné dessus pour re-re-le tuer, sauf que c'est lui qui m'a re-re-tué. Donc on se retrouve avec monsieur Despire Bushido TV parce que tout simplement, bah, avec Despire Bushido TV, c'est plus marrant. C'est surtout plus fun entre amis parce que tout seul, je pense qu'il n'y a pas trop de sujets de conversation à trouver. Donc du coup, on va vous expliquer les règles. Bah, c'est les mêmes règles que les anciennes, sauf que là, on va pas être ensemble. On va pas être ensemble, on va être chacun de notre côté. Donc du coup, Brian, bah, ira de son côté, puis il fera sa survie en terre inconnue de son côté. Puis pareil pour moi, sauf qu'on pourra parler, on pourra parler de sujets. On sera sur Skype pour discuter, mais on fera notre vie de notre côté. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les deux points de vue, comme pour mes abonnés, comme pour les tiens. Hein, oui, bah oui, comme pour tout le monde. Hein. Vous pouvez aller voir mutuellement l'un et l'autre. C'est ça. Donc, surtout Charlie, je pense qu'il va mourir après moi. N'importe quoi. Comment dire, c'est ça que j'allais en venir à ça. Donc pendant la série, on a le droit qu'à 3 morts. Et à partir de 3 morts, bah, c'est celui qui est mort le moins de fois, bah, qui a gagné tout simplement la série, entre guillemets. Donc du coup, bah, bonne chance à toi, monsieur Despire. Hein. Bonne chance à toi aussi. Donc je te laisse prendre ton lit, hein, parce que là, comme il fait nuit, ça va être un peu chiant, donc on se permet de prendre les lits. Hein. Ouais. Comment dire, j'ai mis des cartes dans les coffres pour pouvoir se repérer. Comme ça, si on veut aller faire un petit coucou à l'autre, bah on peut. Donc, comment dire, la map, c'est moi qui l'ai créée. Hein. Toute la map là est naturelle, sauf ce petit bâtiment que j'ai mis un petit moment à faire. Donc, du coup, c'était juste pour recevoir bah, notre invité de marque hein, et les deux petits lits. Hein. Donc, du coup, on va se hâter à sauter. Donc, affrontez votre courage. Montrez votre courage, pardon. Donc, vous êtes prêts? On saute tous les deux en même temps. Ouais. Ok. 3, 2, un, go! Les types par les NASCAR! Donc, bravo, vous avez sauté maintenant, survivez le plus longtemps. Bonne chance. Bon, bah, monsieur Despire Bushido, viens me voir. Ah oui, j'avais pas vu les types en terre, c'est grave. Bravo, vous avez sauté maintenant, survivez le plus longtemps. Bonne chance. Ok, merci. Ça motive pas, ça, hein. ça motive à mort, ça. Ouais, je crois qu'on va faire ça avant de commencer. Hop là. Et d'heure. Parce que j'ai pas envie de passer une nuit déjà pas très hostile au début. Ouais, moi non plus. Donc, c'est parti. Donc, Brian, viens, on se fait un dernier petit check. Allez, check, à ton tour. Voilà. Allez, ciao. Bon. Alors, les amis. Ça va être galère. Maintenant, c'est là que tout va se corser. C'est que là, il va falloir se stuffer vite fait pour pas être embêté par tous les mobs. Ouais, j'avoue, parce que là, il y a les mobs qui commencent à venir sur moi. Là, c'est horrible. C'est horrible. De quoi? Déjà, ils commencent déjà à venir sur moi. Ouais, ils viennent sur moi parce qu'en fait, moi, si tu veux, moi, je suis dans les plaines. Ah, bah oui. Et du coup, bah, faut qu'ils attendent, que j'attende qu'ils crament vite fait. Donc du coup, excusez-moi pour le début les gens, mais c'est jamais passionnant le début de stuff et tout, enfin tout le début. C'est très long. Ça, c'est sûr. Je prends pas plus. Alors. Alors moi par contre, j'ai une bonne petite droite là. Ah oui, comment dire, j'ai oublié de faire un truc. Attends. Avant que j'oublie. Ah oui, attends, moi aussi. Hop là, hop là. Pareil pour moi. Voilà, c'est bon, j'ai désactivé la fin. C'est bon. Oui, parce qu'au début, on l'avait désactivé pour pas qu'on crève de faim dès le début pendant qu'on fait l'intro, ce serait un peu bête. Moi, par contre, donc, par contre, c'est pas normal que j'ai pas de son de jeu, donc attendez vite fait les abonnés, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, c'est bon, j'ai la télécommande, on va mettre le son à 25 comme d'habitude. Bon, 26 parce qu'on est des fous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Une table de craft, voilà.
établi. On va essayer de se. De quoi? Ah, je parlais à mes données, je leur disais qu'on va essayer de pas trop courir. Moi je cours tout le temps, hein, donc vous inquiétez pas. Ah, bah ça va, il y a de la bouffe un peu partout là. Allez. J'aime pas les tuer comme ça, ça m'énerve. Parce qu'ils mettent deux temps, ça moi. Bon, vous me direz, hein, je peux me faire une épée, hein, je suis complètement gueule. Donc on va se faire. Voilà, on va prendre bon, une pioche en bois, hein, on sait jamais. Hein, et puis une épée en bois. Comme ça, c'est au moins question de les tuer. Donc j'espère que cette série vous plaira, hein, du côté du mien et du côté de Despire. Tout simplement parce que ça fait un moment que je voulais la faire, mais que j'en avais pas parlé à Brian. Donc du coup, je lui en ai parlé, puis ça, ça avait l'air de lui plaire. Donc du coup, bah. J'aime bien le concept de survivre chacun de son côté, donc c'est Despire, hein, qui m'a proposé. Au début, moi, je voulais faire survie en terre inconnue, mais en fait, ensemble, et il m'a dit, ce sera peut-être pas mieux de faire survie en terre inconnue, mais en fait, chacun de son côté. Du coup, j'ai fait, ouais, ça peut être pas mal, comme ça, les gens, ils pourront voir les deux points de vue, etc. Donc, du coup, pour voir comment l'un survit comme l'autre. Voir les différences de survie par rapport à... Ouais, voilà, exactement. Merde, je vais pas le taper avec du cuir, c'est bon. Voilà. Puis comme je commence à reprendre goût à rejouer à Minecraft pendant, depuis là, un petit moment là. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait très très longtemps que je joue à Minecraft là. Alors, j'analyse un petit peu la chose. Donc faut savoir, on filme juste après le Fight for Survival là. Oui, on vient juste de le terminer. Ouais, on vient juste de déprimer il y a 10 minutes. Ah, ouais, de la canne à sucre. Ouais. Ah oui, tu fais du bruit, les amis, désolé, mais bon. Hop là. Donc, je t'avouerai, là, je trouve pas de mine, c'est un peu dérangeant. Alors, je vais faire un truc que j'aime bien faire parce que j'aime pas avoir tout en désordre, ça m'énerve plutôt qu'autre chose. Oui, je suis très bizarre parce que oui, j'aime bien quand c'est bien rangé. Ah. Donc là je suis dans la forêt, mais je crois que je vais me créer une mine parce que là en fait je trouve strictement rien, donc on va creuser un peu vers le fond, hein. Dans la logique, pour avoir de la pierre faut creuser vers le fond, logique. Donc mes abonnés me verront, il y a de la lumière là dans la mine. On va faire des torches, qu'est-ce qu'on va aller explorer. Là. Donc on peut se servir, hein, de la carte, hein, Brian, pour savoir quoi, quelle couche on est, hein, tout ça. Oui, tout à fait. On a bien précisé aussi un truc, c'est que le pack de texture, c'est le naturel. Ah oui, c'est le pack de texture nature, donc vous aurez du côté de Brian un beau côté nature, et du mien un peu moins bien, parce que c'est un peu moins bien de qualité, mais ça reste quand même une assez bonne qualité, donc du coup, hein, je vous laisse profiter, hein, regardez, c'était le bambaou. Le pack naturel, c'est l'un des packs que j'ai kiffé. Il y a un autre pack que j'aime bien, c'est Fantasy et Urbain. Donc du coup... Franchement, là, les mines, mon gars, je sais pas s'ils vont voir quelque chose. Oui, ils voient quand même. Je vais regarder vite fait. Oui, ça va, ils voient quand même à peu près. Écoute, moi, là, perso, mes abonnés ont pu voir mon côté poulet. Pourquoi? J'ai failli mourir dès le début. Évidemment l'un des meilleurs. Hein. Les meilleurs ou l'un des pires, ça dépend. Ça dépend de quel côté on se base. Bon, vous savez quoi les gens, je vais faire comme dans un KTP, on va se faire une petite base souterraine. Parce que moi je suis plutôt un mec comme ça, j'aime bien les bases souterraines. De quoi? Est-ce qu'on peut éventuellement parler de notre chance? Je sens que cette série a duré longtemps. Non mais là j'ai même pas vu le creeper les amis. Donc j'arrive vite fait, moi je vais prendre ma table de craft. Pareil, gold. J'avais tout mon gold.
Et puis il y a un creeper qui me pète à la gueule. Donc voilà, il me reste plus que deux morts. Hein. Ouais, deux morts, puis après, bah, tout simplement, c'est fini. comment dire, qu'est-ce que je voulais? Je voulais ça. En fait, tu t'imagines comme si t'étais dans un KTP. Tu régénères pas ta vie. Bah, mais c'est difficile parce que tu vois, ta vie régénérée. Un KTP, quoi. Donc nous on va prendre le charbon parce que ça va nous servir parce qu'on a de la bouffe, mais là on est en train de la perdre, il ne reste plus 4 barres de faim. On parle de KTP parce qu'à nos heures perdues on se ment au KTP. Donc on va se faire une petite base sympa tout net. On aime les KTP, on est des gros geeks. Ouais, on est des gros geeks de les génies, hein, des génies. On est fous d'eux. Voilà, donc on va se faire ça, voilà. Donc, est-ce que j'ai pris ma table de craft? Non, il me semblait bien. Donc on va la prendre. Donc déjà, j'ai déjà du charbon. Donc, oui, pour ceux qui connaissent pas, j'aime bien dire des choses bizarres. Donc le charbon, c'est le charbon, vous inquiétez pas. Donc on va se faire un petit four parce que je vous avouerai, on va commencer à avoir un petit peu trop faim à mon goût. Putain, ça fait déjà 11 minutes qu'on tourne. Tout à fait, et moi j'ai des grosses pubs. De quoi? J'ai des grosses pubs qui se lancent sur mon PC, ça m'énerve. Donc on va faire cuire, voilà, ça fait un petit peu de lumière. Le reste, on va le faire en torche pour tout simplement être éclairé un minimum. Voilà, j'en ai que 8, donc je me suis fait pisser dessus, merci. Donc... on va éclairer ici, 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 puis on va garder les 4 autres pour tout simplement les petites mines. Donc on va faire ça, on va continuer un petit peu parce que je vous avouerai, c'est un peu chiatique. J'aime pas quand c'est trop serré non plus. Hop là. Mais purée, mais je veux qu'il part tout le monde, quoi. M'a fait une base souterraine. Mais c'est... en fait, je suis dans le tunnel. T'es dans quoi? Dans le stronghold, la terre. Ah ouais, d'accord, t'es directement là, toi. on va torcher, vous avez vu, parce que là, j'ai pas envie de faire spinchin et tout début, ça c'est pas le but. Voilà, donc on va prendre la bouffe à manger. Voilà. On va se refaire vite fait des. Voilà, on se refait des sticks. Je vous avouerai. Voilà, on a 40 petites torches, donc ça nous arrange. Donc gardez, on va garder ça, on va garder ça, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là, voilà. Non, j'ai réussi à m'en sortir. De quoi? J'ai réussi à m'en sortir. Alléluia. Donc, on va prendre le reste de la bouffe. Voilà, donc on va manger un petit coup parce que là, j'ai la dalle. Donc là, les gens, on va partir à la chasse parce que. Je vais regagner un petit peu de mon. Donc on va aller chasser un petit coup. Donc Brian, je te propose qu'à la. Que... Est-ce que tu t'es déjà fait, entre guillemets, une petite base? Pas vraiment. Comment dire? Est-ce que t'auras. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma petite base et à la fin de la vidéo, faudra qu'on ait notre petit endroit parce que moi, là, je vais mettre mon petit lit dedans. Alors là, c'est bon, j'ai mis mon petit lit. Donc du coup, bah dès que t'auras fait ta petite base, là, parce qu'il commence à faire nuit. Enfin non, il fait même carrément nuit. Comme ça, on se couche et on aura notre point de spawn tous les deux. Ouais, ok. Bah, j'essaie de me la faire, là. Vas-y, bah moi, pendant ce temps-là, je vais chasser. Je vais essayer de me faire un petit peu d'XP si je croise des mobs. Donc du coup... Excusez-moi. Donc là, il y a un squelette, donc on le baise. Ah oui, les amis, c'est pas une petite base, vraiment très petite, mais c'est histoire de commencer. Hein. Oh, mais ça m'énerve d'éternuer. J'ai le don d'éternuer en vidéo, moi. Ah, voilà. Donc les gens, on va aller vite fait dodo. Donc ça, du coup, on va mettre des torches tout autour de notre petite fissure dans le truc pour se retrouver. Voilà, c'est... Vraiment. De quoi? Je suis pas sûr d'avoir mon spawn, donc je l'ai remarqué.
Voilà, il n'y a plus qu'à dormir cette nuit. Comme ça, je vais pouvoir aller chasser un peu pour aller manger. Bon. Ça met de temps, ça va. Ouais, vous me demandez sûrement qu'est-ce que je fais. Ah, ouais, je me suis un petit accès pour faire une porte. Je me disais aussi. Je me disais, merde, putain, ça fait... pourquoi on dort pas? Ah, ben non, je suis. Ah, tu veux qu'on dorme là? Ouais, ouais, pour arriver directement au jour. Le sens d'orientation de Despire, j'adore. Écoute, attends, je vais mettre des torches pour me repérer. Bon, voilà, bah, what? Pétant. Ah, les gens, vous voyez la flamme. Merde, elle a disparu, merde. Bon, bah, tant pis. Comment fait mal, là? De quoi? Pour moi, ça fait mal. Pourquoi? Bah, je suis déjà mort. Ah bah oui, c'est sûr. On a le talent, on l'a pas. Bon, on va essayer de finir les mobs qui sont en train de brûler comme des peurs. Voilà, ça, j'ai deux flèches, voilà, ça fait zizir la famille. Donc vous attendez pas à un truc grandiose de ma part, hein. J'aime bien avoir plein de bouffe. Donc vous inquiétez pas si vous m'entendez souvent râler parce que j'ai pas de bouffe alors que j'en ai plein. Voilà, ça c'est good. Non mais en mouton on s'en fout, il loot plus, il loot pas de bouffe. Oh, il y a une araignée. Ah oui, je ne parle pas beaucoup parce que j'ai un petit peu de fantômes. Voilà. Donc... un petit peu les attentes en train de repimper pour base. Donc on va regarder vite fait. On va regarder vite fait si on trouve pas des trucs intéressants. Quand même, ce sera bien. Bon, vous savez quoi, on verra ça dans nos mines parce que... et merde. Mais oh. Voilà. Donc, elle a looté un fil, donc moi ça m'arrange. J'en ai deux, donc encore un fil, puis je pourrai me faire un arc. Ouais, les amis, donc une petite base dégueulasse. Ah, j'avoue. Oh, y a un puits. Y a un puits. On n'est pas là non plus pour faire des trucs magnifiques. Non, c'est sûr. Donc on va bouffer vite fait la viande dégueulasse. Voilà, ça nous a restauré quand même notre faim. Voilà, on s'en bat les steaks, nous on est des fous. D'accord, donc on va ressortir vite fait. Heureusement que j'ai une pioche. Merci. Ouais, c'est quoi cette pierre? De mettre une arme pour avoir de poids, puis au cas où il me loupe une pomme en or, bah ça me... Vous savez quoi les gens, comme ça c'est du gravier, je vais essayer d'en... je vais l'encreuser, voilà, parce que, comment dire, ça me permettra de faire des flèches plus tard. Donc comme ça, là si ça me loote rien, c'est pas dérangeant, hein. J'aurai juste à les reposer puis à me faire une petite pelle. Voilà, on a pris tout le gravier tout autour, voilà. Donc le gravier bas il est ici, donc le silex ça on s'en fout un petit peu. Donc ça là, les flèches de même. Donc faut vraiment que je trouve de la bouffe. Donc il faut savoir aussi, j'ai oublié de vous préciser ça aussi, on est en difficile, hein, donc du coup les mobs sont 10 fois plus agressifs. Donc c'est pour ça que Brian est mort. Est mort subitement parce que je pense que les mobs font très mal. Ah bah, pas moi. T'as explosé à la gueule, c'était super gentil. Ah, super, non mais. Faut te pisser dessus, de toute façon. Donc, on va aller chercher encore un dernier petit truc à bouffer. Puis, on va faire durer la vidéo jusqu'à 25 minutes, c'est à 19h16, donc du coup, ça suffit pour l'instant. On va filmer encore jusqu'à 25 minutes, donc. Pour le début d'épisode, je pense que ça suffira. Après, vous attendez-vous à des épisodes plus longs. Parce que là, aujourd'hui, ouais. C'est le matin. Donc, du coup, on n'a pas trop excessivement le temps. Parce qu'on a des choses à faire, tout simplement. Je m'aime. Oui. J'ai trouvé une de ces mines. Je ne l'ai pas retrouvé. Moi, je retourne plus là-bas. Moi, je vous le dis, les gars. Oh
Oh, vous avez vu les gens? Oh, il y a du fer, il y a tout là. C'est mort. Comment dire, c'est en fait c'est le truc qu'on aime pas. Oh, attendez, chut, attendez. Tu dis chut, t'as des abonnés ça? Non mais attends, je suis concentré, attends. Oh, ta mère. Oh, aïe. Jeune con insouciant. Non merde. Charlie risque sa vie dans des mines, moi je repimpe ma maison. Hein, ça me dit quelque chose cette pierre, attends. Tu sais, ça fait genre la pierre du Stronghold. Bah non, bah c'est pas possible, je l'aime. Bah ouais, mais ça fait genre pareil quoi. Normalement, il y a plein de Stronghold par là. Bah ouais, c'est chelou. Ah, parce que j'ai un coffre là. Ah, mais c'est un fumeur. Donc il y a 3 d'or et 2 de pain. Donc moi ça m'arrange. Donc les gens, on va tout simplement chercher un petit peu. Ah, oh, il y a un creeper. Toi, tu vas te calmer direct parce que tu pues de la gueule. Merci. L'un des meilleurs. Ouais, moi je suis très agressif quand j'ai peur. Ouais, tu as une petite torche au milieu. Si jamais les gens on va creuser. Ah bah j'ai bien fait de creuser. Oh, j'ai une bibliothèque. Oui. Ok, très bien les gens, on a une saille. Oh, j'ai des toiles d'araignée, j'en ai partout, je vais pouvoir me faire 50 000 arcs. Donc les gens là, on est parti très bien. On va prendre les torches, parce que nous ça nous sert quand même, pour nous. Parce qu'ils sont très cons, ils ont posé des torches pour nous les donner. Franchement, merci. J'ai mal commencé, mais non, ça va là. Moi, franchement, là, je t'avouerai, j'ai bien commencé, je suis en train de me mettre bien. Parce que là, j'ai trouvé un coffre avec de l'or dedans et tout. Ça redonne sur une faille. Oh. Ah, j'ai une faille, moi. Wow. Eh non, mais mon gars, là, je suis Ragley. C'est quoi là? Elle a pas un bug buggé la map là. Bon, par contre le creeper ne m'aura pas eu. Hein. Il croyait que je l'avais pas vu, mais si. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un coffre ici. Donc on va essayer de le prendre vite fait. Voilà. Os. Voilà. D'accord, il y a du papier. Donc du papier, je pense que. Je me rappelle plus, ça sert à quoi le papier déjà? Pour les livres pour tes enfants. Ah bah j'ai du. Parce que là j'ai 7 de papier. Donc vous savez quoi, on va faire des petites mains, voilà, on va... Ah ouais, je vois ton nom. Ah bah en fait, c'est le Stronghold que... Ah bah ça doit être ça, ouais. Il me semblait bien que j'en avais trouvé. Et ça te donne sur une faille à l'intérieur. Ouais. Ouais, bah je suis juste devant, là. Bon, vous savez quoi, on va retourner à la maison, puis je vais mettre tout simplement fin à l'épisode, parce qu'on y retournera, vous inquiétez pas. Donc, le temps que j'y retourne... D'accord, bon bah c'est par où ça, par contre, je me rappelle plus. Donc, on va torcher la zone ici pour se montrer que c'est par là. Donc, on va défoncer le creeper de sa mère. Voilà, explose, merci. On est meilleur, tu peux de la merde. Tu es... D'accord, non mais tu vas te calmer le zombie, merci. Donc on va prendre le fer hein, en même temps. Ouais, à part du d'ailleurs j'ai du charbon. Ah bah c'est bien. Ah bah moi aussi. Je vais en prendre parce que ça sert pour ma bouffe moi. Et pour... moi par contre je peux perdre ma bouffe assez rapidement. J'ai déjà vu beaucoup de bouffe. Hein. Donc moi faut que je me rappelle où j'habite les gens. Eh, hey, j'ai repu de sang dans le pied, c'est horrible. Et les gens, je me suis perdu dans les mines, ça c'est un mauvais truc. Hop. Donc, je pense que c'est par là. Ouais, je suis passé par là. S'il y a des torches, c'est que je suis passé par là. Oh.
Mais qu'est-ce que j'ai foutu, mon gars? C'est pas de la cobble, moi. C'est bon, j'ai retrouvé la surface. Oh putain! Eh les gens, j'ai cru que j'allais jamais ressortir de ma vie. Donc je vous disais, on va prendre quand même assez de charbon pour se mettre bien dès le début. Parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on trouve du charbon. Donc, enfin ouais, on en trouve souvent, mais faut chercher. Donc là, si j'en trouve gratos, je prends net. Vas-y, faut pas trop faire. Mais je suis parti que d'un côté de la faille, donc je vais aller de l'autre côté. C'est quand même bien quand même, on a trouvé le strongle tous les deux sans s'en rendre compte en fait. Ouais, il est là le. De quoi? Bah, moi, pas, c'est moi. Je t'entends plus trop bien, Brian. Je suis au strongle là. Ah, qui est? Ouais, mais j'y retourne plus, moi, c'est mort. Hein. Pourquoi? C'est là que je suis mort. Ah, c'est là que t'es mort? Ah, ouais. Ah, ouais. Il m'a pété la gueule. Ah, je peux plus courir! Horrible. Donc les gens, hein, désolé si je m'attarde, je vous dis que je rentre, mais j'essaye de prendre un maximum de trucs. Là, il y a du fer, parce que si je passe à côté, et comme le fer dans le pack naturel, il est pas très voyant, donc je vais le prendre. On va jeter d'ici. J'allais dire, putain, il pas vu la même. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. T'es mort. Non, c'est la fin de l'épisode. Ah, attends, je rentre juste à ma maison vite fait parce que là il y a du fer partout. Alors on danse. Bon, bah j'ai plus de pioche, tant pis, on le prendra plus tard. Okay, donc, un petit peu de continue. Où est ma maison? C'est une autre paire de manches, elle est où ma maison? Putain, mais vas-y, il y a des trucs partout dans ce. Moi aussi je vais rentrer, enfin je vais essayer. Donc on va prendre ma petite vache en même temps, le temps que Monsieur Despierre rentre chez soi, comme ça, ça fera des trucs à manger. Je vais cuire tout ça. Après, si tu veux mettre fin à ton épisode, Brian, hein, tu peux. Hein. Moi, je vais juste vite fait cuire, mais je vais faire mes petits trucs avant d'aller dodo. Ok. Donc si t'as tes petits trucs à faire. Je vais juste rentrer chez moi et puis. Donc voilà, on a mangé, on a 7. Oh, ça va, on a de quoi manger. J'ai 34 de charbon, donc on va mettre le charbon ici. J'ai 17 de fer. On va faire cuire tout ça, voilà, le papier. Ah, là. Ah, t'es les amis, je crois que j'ai crevé de par là. On va se faire un genre petit vrai. Coffre. De quoi? Genre vraiment. Attends. En difficile, on crève, ou pas? Oui. Ah, merde. Donc, hop, on va faire ça pour l'instant, voilà, comme ça, on va pouvoir mettre le petit coffre ici. Hop là, voilà, ça on fait ça. Hop là, donc ça va, on va dire que je suis à peu près bien pour cet épisode. Donc on va se faire un petit arc, parce que on a déjà deux flèches, donc on peut se permettre, on va dire. Donc on va mettre l'arc ici, ici, la barrière on s'en fout, le bâton on va le garder avec nous, la canne à sucre, on met les fils aussi, le fer je garde, la terre on s'en fout, le silex, bon on finira, on en a pas besoin. Allez, c'est là parce que voilà, ça va être très chiant pour cet épisode 1, donc j'espère que cet épisode 1 vous aura plu, c'était un petit like, si vous avez aimé, commentez ou partagez cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, on était en compagnie de The Snake. Vie. Ciao, bye bye tout le monde. Allez, ciao. Bon, comment dire, moi c'est pas encore fini la fin de l'épisode vite fait, donc est-ce que tu peux aller dormir ou pas? Oui, je peux aller dormir, mais là je vais crever de faim. D'accord, donc je vais vite fait aller le... Je vais mettre fin à l'épisode les gens, puis je vais vite fait aller le voir pour lui donner un petit peu de bouffe et tout. Parce que, tout simplement, bah, parce que j'ai pas envie qu'il meure. Et comment dire, on se dit à plus tard dans un prochain épisode. Allez, ciao, peace. À ton tour, Despier. Peace. Tu peux le redire, ça buguait sur Skype. Peace. Allez, ciao. Peace.